Créée par l'artiste Gabriel Ross à la fin des années 70 aux États-Unis, la danse des cinq rythmes est une pratique méditative d'exploration de soi par le mouvement. Elle se vit lors d'une vague décomposée en cinq mouvements, comme des miroirs de la vie. Représentée dans plus de 50 pays, elle traverse le monde. Ton souffle voyage à l'intérieur de ce geste-là. Sentir ces moments où... Guillaume Laplane est éco-architecte à Marseille, mais également enseignant de cette pratique qu'il transmet depuis 2007. Comme si tu pouvais simplement recevoir ce mouvement qui traverse le corps, qui traverse la matière du corps. Laisser ces courbes, ces cercles, ces spirales voyager d'un bout à l'autre du corps, jusque dans la matière des mains, jusque dans la matière des pieds. Alors vraiment comme si je pouvais simplement avoir l'intention de réveiller la capacité de mobilité dans chaque articulation, chaque interstice du corps. Et en même temps, te laisser aller dans la facilité de ce mouvement-là. Ce qui est important pour moi dans la guidance quand j'accompagne, c'est de trouver les chemins, comme le charmeur de serpent qui va jouer une musique qui fait que le serpent, ben, il est pris là-dedans. Moi, c'est plus dans l'indication de le mouvement d'une main, sensation dans une main, l'appui des pieds au sol, la respiration, qui au final, on ne sait pas qu'on va danser. Même parfois, je ne parle pas de danse, parce que ça freine beaucoup de gens. On est dans une pratique de méditation au mouvement. Ça veut dire qu'on va aller explorer le mouvement. Et ça fait que même des gens qui n'ont jamais dansé se sont retrouvés parfois à être à fond dans leur danse, au final, au milieu du groupe, à finalement se sentir hyper en confiance dans un environnement qui est très accueillant. Et par la guidance qui petit à petit fait que la personne arrive dans ses sensations physiques, se déplacer dans l'espace, se retrouve à danser. Il y a cette notion de tisser comment les personnes trouvent leur chemin vers le mouvement.